Bonjour, chers internautes, c'est votre professeur structure Médaclair, tout disponible pour 24h sur 24, 7 sur 7. Je demande à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est très important car d'autres vont bénéficier de nos recettes et de nos astuces. Vous avez vu, nous avons trois alunes là, mais aujourd'hui nous n'allons pas parler des alunes, mais plutôt de vous, de votre vie. De votre vie, comment faire pour réussir dans votre vie. Vous êtes étudiant, vous avez vos diplômes, ça ne marche pas. Vous avez appris un métier et vous cherchez de l'emploi, ça ne marche pas. Vous êtes femme, vous avez de l'emploi, mais vous ne trouvez pas un mari. Vous avez vos divers problèmes que vous rencontrez dans la vie active. Vous êtes malade tout bout de champ. Cela est dû à quoi? Cela est dû à beaucoup de facteurs que beaucoup ignorent. Vous savez, quand on est jeune, il faut pas se donner à la vie sexuelle comme ça, parce que la vie sexuelle est remplie de beaucoup de mythes. Quand je dis beaucoup de mythes, c'est-à-dire beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'est vrai, je suis jeune, je vais chercher telle copine, je suis jeune, je vais chercher tel gars, je vais chercher tel homme, je vais chercher même des hommes qui ont l'âge de mon papa, des femmes qui ont l'âge de ma maman. C'est grave, c'est très grave si vous ne le savez pas. Parce que les actes sexuels ne sont pas sans conséquences. Tu peux perdre tout ton avenir en couchant pendant 2 secondes ou même 3 minutes avec une femme. Tu peux perdre tout ton avenir en couchant 2 minutes, 1 minute avec un homme. C'est très important. La meilleure façon de réussir dans la vie, c'est d'être pieux et de savoir faire son choix. On ne couche pas avec tout le monde. Faites très attention, on ne couche pas avec tout le monde, on ne fait pas l'amour avec tout le monde. Faites très attention. Et pour ce faire, la meilleure façon pour réussir, je vais vous citer quelques-uns. Vous allez vous purifier au moins 2 fois par mois. Vous allez vous désenvoûter 1 fois par trimestre. Vous allez vous protéger suffisamment et chaque jour que Dieu fait. Vous allez faire briller votre étoile et votre aura au moins 2 fois par an. Vous allez vous protéger et protéger votre étoile chaque jour. Protégez votre petite famille si vous en avez et priez beaucoup. Mais avant tout, menez une vie correcte. Donnez aussi des dîmes, des offrandes. Aidez les pauvres, les orphelins. Et priez beaucoup surtout. Priez beaucoup en toutes choses. Si vous êtes musulman, priez. Si vous êtes chrétien, priez. Si vous êtes animiste, priez. Si vous adorez les veaux d'or, allez vers vos ancêtres. Demandez la protection, priez, c'est très important. En toute chose, on n'a qu'un seul Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, ce Dieu n'a pas de religion. Sachez-le, Dieu n'a pas de religion. Que personne ne vous bénisse, que vous soyez chrétien, islam, animiste, vous adorez des fétiches ou pas, on n'a qu'un seul Dieu que tout le monde adore et que tout le monde appelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs, un seul Dieu. Alors, priez beaucoup et évitez certaines choses. Soyez correct. N'enviez personne. Parce que chacun a son heure de gloire dans cette vie. Ne soyez pas pressé. Ne regardez pas les autres. Si vous voulez vous comparer, comparez ce que vous étiez hier par rapport à aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez vous comparer. Mais ne vous comparez pas aux autres. C'est très important. Ne vous comparez pas du tout aux autres. Comparez-vous à vous-même. Parce que vous ne vivez que pour vous-même. Vous ne vivez pour personne. Vous ne voulez personne, alors prenez conscience et évitez de coucher partout. Hein? Évitez de coucher partout, c'est très important. Soyez bénis. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous contacter au plus de 229 96 69 60 42. Soyez bénis, abonnez-vous, partagez, likez.